comment nous tout le monde, souhaitez tout le monde en forme. Bienvenue encore pour l'autre vidéo. Une vidéo qui parle encore une fois éduquer le peuple haïtien. Hein, montrer que nous n'avons pas des petits missants gardons. Que nous gagnons côté nous sortis. Donc, il y a toujours dit que un peuple qui sans histoire, c'est un peuple qui perdu. C'est un peuple qui n'a pas de boussole. Et malgré ça, en pile, mon toujours dit, au content des fois, mon a dit, ah, on va arrêter dans le passé, mon qui a prêté dans le passé, c'est mon qui a rêvé, qu'on aime pas dans la question de passé pas important, c'est oui, des fois, passé pas important dans des circonstances. Faut toujours nuancer, bagaille, mais on peut, ou supposer qu'on passe, ou supposer qu'on histoire, ou supposer qu'on côté sorti. Son bail qui simple, garder tout grand peuple, il toujours honoré gros bagages qui passaient dans le passé. Donc, sous garder par exemple, peuple américain, hein, lors du 4 juillet, son gros bagage. En France, tout prise de la Bastille, a honoré le 1er juillet, son gros bagage et tout. Tout l'autre pays, garder indépendance, République Dominicaine, yo fêté tout partout, même New York, yo fêté Dominican Flag Day, donc fête drapeau dominicain, son gros bagage lié. Venezuela toujours a célébré fête drapeau, fête Miranda. Et raison qui fait par exemple que on paye quand coup Venezuela toujours à aider Haïti comme ça, qui fait retomber dans cause Petro-Caribe, etc. C'est parce que par le passé, t'es une relation entre Venezuela. Donc passé à l'important, nous on a gagné Memorial Day, côté y a honoré tout soldat qui mourit, gagné journée des combattants, tout côté au manteau, y a tout soldat qui était mort dans la guerre, dans la première, deuxième guerre mondiale, qu'on a honoré. Eh bien, débarquement de Normandie, américain, canadien, toujours à honorer ça, côté en pile monde mort, côté une coalition qui était débarqué en France pour libérer France de l'emprise Hitler. Donc, passé à son bail qui est important pour un pile peuple, parce que le peuple là à genoux, des fois quand cousin ou peuple haïtien à genoux là, il est toujours bon pour garder dans le passé pour que koto s'est sorti et que finalement nous mêmes haïtiens, si on garder le passé, finalement nous mêmes haïtiens, nous c'est une plus grand peuple sous terre, nous c'est une plus grand peuple dans Amérique là, si c'est pas même plus grand peuple dans Amérique là, c'est nous, parce que nous tellement impliqués dans des bagages, nous tellement changé visage monde là, visage Amérique là, que en fait Haïti dicté le monde en nouveau forme économie. Haïti changé donne économique là complètement avec révolution. Haïti changé la face de plusieurs pays, Haïti changé destin plusieurs pays, et c'est but vidéo ça. Donc but vidéo ça, c'est pour montrer nous qu'il y a 5, moi-même, selon moi-même, moi choisi 5 informations que tout haïtien t'a supposé connaître, ou bien t'a supposé transmettre ba petit, t'a supposé enseigner tout petit, tout parent qui est petit, t'a supposé 5 informations ça, selon moi-même, ou t'a supposé make sure que petit ou qu'on information ça, surtout ça qui vivre à l'étranger, surtout ça qui vivre dans la diaspora, parce que là vivre dans la diaspora ou en interaction avec plusieurs autres peuples, et plusieurs autres peuples, il y a pas regardé, il a regardé Haïti, il y a pas regardé sur Google, il a tapé Haïti, image qui vient de venir, c'est image pauvreté, c'est image, voilà. Donc ça qui a fait Timoun, par exemple, Timoun a un genre honte parler de pays, mais s'il compte 5 informations ça que m'parle bon là, il pas jamais honte dit que lui c'est haïtien, il a toujours kembe fierté, il a toujours kembe drapeau lui, quel que soit côté passé. Alors on a débuté avec information numéro 5 là. Information numéro 5 là, selon moi-même,
c'est donc nous parler du plus petit au plus grand. Donc numéro 5, c'est... numéro 5 c'est information, c'est qui ça, c'est pas tout noir, c'est en fait c'est pas noir qui était premier esclave. Il a toujours fait nous croire que nous même haïtiens nous sommes peuple esclave et etc. Donc noir oui tout était esclave aux États-Unis, on parle pas comme ça, t'es gain noir qui esclave un peu tout partout. Donc Jean yo montre bah là c'est comme si c'est noir t'es esclavage c'est pour noir t'es fait. Non, c'est pas comme ça le t'y est, c'est pas noir qui t'es premier esclave. OK. Et puis c'est pas tout crébété tout qui t'es ca esclave. Donc numéro 5 information, c'est pas noir qui t'es premier esclave et c'est pas tout crébété, c'est pas tout monde comme ça qui t'es ca vinn esclave. OK. Donc mon esclave là, soit les étymologiquement soit les dans origine mon esclave là, il faut connait que mon esclave là il sorti de latin qui c'est esclavius, OK, qui était désigné au 5e siècle peuple qui originaire de zone slave là. OK, tes grand empire yo t'était les empire byzantin et puis t'es gain empire germain tout, et ben moun sa yo gros empire sa yo t'es kon attaquer zone sa que les slaves là. OK, et puis leur défaite moun sa yo leur bat moun sa yo sou vle comme ça, yo prend tout sa gagnen et puis yo prend moun yo réduit yo en esclavage. OK, donc moun sa ou te tellement, c'est ça seulement ou te kon fait, c'est pour ça seulement ou te bon. Donc c'est comme si depuis ou du slave c'est moun dans zone sa yo. Donc yo te kon van yo tout partout en Europe, yo même te kon van yo dans des grands empires africains dans le nord de l'Afrique. Donc moun sa ou se ki moun kore, c'est soit gade zone Serbie, zone Croatie. En fait, zone que yo te relé il y a quelques temps, il y a à peu près 40 ans, zone ça te relé encore Yougoslavie. OK, te gon zone qui était Yougoslavie et moun sa jusqu'à présent relé des slaves. Moun sa jusqu'à présent zone ça relé slaves, c'est zone Slovaquie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie etc. Donc moun qui sorti dans zone Croatie, Serbie, Bosnie, Monténégro. Donc zone qui à peu près zone ça lieu à l'est de l'Italie, c'est moun ça yo que te kon réduit en esclavage et c'est là que mot slave là li sorti. OK, donc c'est pas noir qui te premier esclave. D'ailleurs en Europe, OK, gagner ça aurait les civilisations mortes là. OK, en créole on dit civilisation mort, en anglais on dit des moors. OK, et ben moyo ou bien moyo en créole, en français, et ben civilisation ça sont civilisation de noirs et yo même yo t'ai conquéri l'Espagne. OK, en fait avant que espagnol t'ai metté noir en esclavage, te gen noir qui te gen mette espagnol à français en esclavage déjà. OK, tendez bien ça, me dit non, avant que ou est que espagnol yo leur rive Saint-Domingue et indien yo pédé mouri connait y a chercher un marché d'esclaves en Afrique. OK, et puis yo mené des noirs en Hispaniola, en Haïti par exemple, ou bien un peu partout dans Amérique là, qui vient va nous et peuple haïtien. Avant même que ça t'arrive, noir t'es réduit espagnol déjà en esclavage. OK, parce que et noir t'es réduit français yo, en fait noir t'es dominé l'Europe là net. Donc civilisation ça, civilisation mort là, son civilisation environ
environ au 3e siècle, 3e siècle, 4e siècle par là. Donc dans zone 300-400 comme ça après Jésus-Christ. Et mais civilisation ça, il était conquérir l'Espagne, il était conquérir l'Espagne. En fait, bah là tu commencé on tiba futile. T'es gon noble en Espagne qui était le Julian. Et ben Julian monsieur t'es voyé petite li en petite fille t'es gagné, monsieur t'es voyé petite fille hein, à l'étudier dans capitale Espagne, dans capitale royaume à l'époque. Et bien ça t'est venu arriver, c'est que roi t'est violé petite fille là. OK, petite fille Julian qui était un noble dans l'autre ville. Et bien Julian était tellement fâché. OK, les envoie une petite fille à enceinte Bali et puis roi dit ferme bonjour son roi c'est ça bah ça. Julian tellement t'est fâché. Julian avec famille yo quitté l'Espagne. OK, yo quitté l'Espagne, y aller dans le nord de l'Afrique, y aller dans zone Kenya, bah ça, Sénégal, etc. Et yo al vive dans empire ça yo prend toute fortune, yo al vive dans zone ça, connait zone ça pas loin, yo pas loin de l'Afrique, vous comprenez. Et le monsieur arrivé en Afrique, monsieur était tellement gain venger de roi pour sa roi te faire petite fille là. Et monsieur dit oh monsieur, nous quand ça passé, si nous voulons conquérir l'Espagne, c'est pas par rien. L'Espagne pas qu'à résister devant empire ça moi nous gagne, devant soldats ça moi nous gagne. Si nous ta voulons conquérir l'Espagne et nous gagne l'Espagne en pile richesse, l'Espagne son porte ouvrie vers l'Europe, n'a qu'à étendre empire nous et m'a qu'à guider nous comme tout côté meilleur armée, m'a bail nous tout ça nous besoin comme information pour nous conquérir l'Espagne. Et bien voilà comment Julian, parce que roi d'Espagne a été violé petit li, et bien monsieur prend revanche li, monsieur a bail toute information qui gagnait sous l'armée roi à l'époque. Et c'est comme ça monsieur vin augmenter intérêt, en fait monsieur vient allumer intérêt mouyo pour conquérir l'Espagne et mouyo vraiment y aller, yo attaquer l'Espagne, yo conquérir l'Espagne. Et là yo conquérir la France, là on regarde par exemple soldats mouyo et puis contre des soldats français. Ça c'est Bibliothèque nationale de France que on joine image ça, on pourrait que c'est des vrais noirs qui combattent français yo. Là on pourrait que dans des châteaux en Espagne, OK, et il y a bataille contre armée Charlemagne. On pourrait que plusieurs fois l'ont tapé mort ou bien mouse en anglais. On pourrait que plusieurs fois yo essayé, faut comprendre que mort yo c'était des arabes qui étaient. Donc monde qui arabe qu'on y a. En fait l'information passe pas faux à 100%. OK, c'est vrai que mon là c'est comme si son vaste empire, c'est comme si tu apprends les États-Unis qu'on y a. Il prend presque tout nord avec tout milieu Afrique là. Donc c'était plusieurs royaumes ensemble. OK, et oui, tu as une portion là-dedans yo qui était sorti, qui était berbère. Donc que monde qui sorti dans zone Maroc, etc., Algérie, monde dans zone Tunisie yo. Mais tu as partie l'autre partie en tout, partie qui était black là. En fait, roi d'Espagne là, le yo attaqué, c'est King Alfonso justement, c'est King Alfonso qui était violé petite Julian non, en fait qui était enceinte petite Julian non, violé bah ça. Et King Alfonso monsieur décrit Moyo, monsieur dit que Moyo soldat Moyo, OK, il était habillé en soie, OK, avec laine noire,
c'est ça que c'est comme ça que on a habillé. OK, visage était noir quand coup pitch c'est goudron. OK, donc visage the black faces were like pitch. OK, and the most handsome of them was like black as cooking pan. OK, donc roi Alfonso 10, OK, yo te rele le sage. OK, li a raconté invasion Moyo. Monsieur dit que Moyo te kon habillé tout de noir avec des rades en soie et des rades en laine, tout de noir, visage jeté noir. OK, et pas noir non, visage jeté noir, parce que une n'a pas dans mort qui était envahi zone ça, c'est moi qui sorti Mauritanie avec Sénégal. OK, moun ça pas gain pi noir passé. OK, et li dit que ça qui était plus semblon bagaille là, l'aile de the most handsome, non, ça qui était plus semblon bagaille là nan parmi yo, même visage était noir toujours. OK, tant qu'on en chaudière brûlé. OK, donc pas que plus noir que ça. Donc et puis si on regarde toute l'illustration, on voit que c'est des blancs cap combattre des noirs. Gagne plusieurs illustrations et c'est non pareil ça que tout que Moyo qui c'est des noirs. En fait faction ça qui c'est des noirs. Il était pourtant pile bagay, il était pourtant pile bagay. T'es gain l'autre moun nan dan, on va dire c'était noir à 100%, mais majorité dans ça qui était conquéri l'espagnol, il était noir. OK, là il montre que des dignitaires de mort cap joué échec, et puis on gagne là gon espagnol. OK, et on blanche qui cap servi. OK, OK, on pourrait qu'on blanche cap servi. Donc c'est pour montrer que avant même que, pour nous retourner dans ce sujet, avant même que espagnol t'es venu attaquer, en fait t'as conquéri Haïti ou bien espagnol à l'époque ou bien l'Amérique, et puis t'es commencé à voyer esclaves noirs, et bien noirs yo t'es déjà réduit blanc yo, français, italien, etc. Yo t'ai déjà réduit moun sa yo en esclavage. Et peut-être ou pas j'en connais. Et c'est ça qui fait que ou ka ouais, peut-être que le yo vin mené moun sa yo en Amérique, c'est comme si son sorte de revanche pour yo. C'est ça fait que yo t'ai brutal comme ça pour ça yo t'ai subi peut-être en bas noir yo. Donc c'est ça qui finit information numéro 5 là, je pense que c'est une information qui est très importante. C'est pas haïtien, c'est pas noir qui était premier esclave. Mot esclave, c'est pas la sortie, c'est dans zone Croatie, Serbie, Monténégro, Yougoslavie. OK, c'est là que sorti, et des noirs t'es réduit espagnol, français, des noirs t'es occupé l'Europe, t'es occupé l'Espagne pendant près de 700 ans. Yo occupé zone ça. OK, et yo même faut qu'on ait que sous l'Espagne, parce que à l'époque l'Europe était vraiment non dark age, et ça les dark age là yo pas éduqué, majorité non yo était illettré. OK, c'est le mort yo vinn conquérir zone ça, yo amené écriture avec yo, yo amené mathématiques avec yo, construction, tout forme de construction ça, construction navale. Et yo faut qu'on ait que sous Kawe par exemple en 1492 ou te Kawe gen 3 bateaux qui quittaient l'Espagne Santa Maria Pintanina, c'est justement grâce à technologie que ont appris pendant 700 à 800 ans que ont fait sous domination noir yo qui t'ai conquéri l'Espagne. OK, donc ça c'est une information que nous devons connaître, tout haïtien ta doit connaître, que tout haïtien ta supposé transmettre by petit li. L'autre détail qui est important dans
causé esclave ça, c'est que c'est pas tout le monde qui était devenu esclave, OK? C'est pas tout petit crébété qui était devenu esclave, son sélection yo fait, son sélection yo fait, le yo prend esclave yo, yo tout ça qui pas bon yo, en fait tout ça qui chétif yo, ça veut dire que le peuple yo, on peut conquérir un autre peuple. Monde qui vient esclave, c'est monde qui est plus fort, c'est monde qui gagne plus potentiel. Nous songeons ça, nous songeons que indien ont tapé des mouris, et bien c'est ça fait que okay, ils te viennent prendre noir plus résistant, mais non, ils ont choisi, c'est comme si c'est la crème de noir que ont choisi pour venir esclave. C'est ça qui était plus fort, c'est ça qui était plus indien, mieux ni femme mieux ni garçon. Donc c'est pas tout le monde qui était qu'à venir esclave. Donc en fait esclave qui n'a Amérique, par exemple nous même haïtiens, nous c'est descendants de la crème de la crème de l'Afrique. Donc en fait c'est normal des fois yo du bon bonheur, mais bon, point positif nan côté esclavage ça, c'est que nous même nous c'est la crème de l'Afrique, parce que c'est meilleur élément yo que yo choisi, et c'est pas sans raison. Le plus précisément nous même dans cas nous même haïtiens, c'est de plus souvent c'est des rois, c'est ça faut que gagne des rois qui étaient venus yo du tout saint, ses descendants Ouaga ou Guinou, bah ça te gagne des rois, des empereurs que ont été défaits, des guerriers que ont été défaits, qui étaient venus, c'est monde ça que ont été prend comme esclave. Donc monde ça, c'est pas étonnant que monde ça ont été venus en résistance, et que moun sa a été révolté, yo libéré tête yo, parce que moun sa c'était des guerriers au départ. Et c'est pas étonnant tout que regardez dans sport aux États-Unis que noir toujours dominé comme ça. Toujours depuis son bail qui gagne un rapport des concurrence physique. C'est normal que ouais que c'est afro-américain yo toujours dominé, c'est yo courir plus vite, c'est yo sauter plus haut, c'est yo faire toutes épreuves yo plus bien, parce que tout simplement yo c'est des descendants de la crème de l'humanité. Donc son bagage c'est les autres tout là, si on mon table essayer diminuer yo, pour dire que ben ancêtres ou tes esclaves, non seulement ou ka dire que c'est pas noir qui était premier esclave, t'es gain blanc esclave avant noir, et avec tout ça me dit nous tout à l'heure côté que gain noir qui était dominé l'Europe, qui était mettait l'Europe en esclavage avant, mais on dit tout que esclave yo c'est pas de crème, t'es esclave, c'était la crème de la crème. Donc descendants esclaves sont premium, c'est ça, les premium race, OK, c'est sélection, sont sélection, oui. C'est sélection de l'humanité, c'est meilleur élément yo que on mettait ensemble, c'est yo vin esclave. C'est ça fait que noir yo a dominé comme ça et pour vie, c'est ça fait dans tout sport de noir a dominé, parce que c'est yo sorti non sélection de l'humanité. C'est vrai. Donc c'est l'autre point que on pas jamais oublier, que on sorti de la crème de l'Afrique. Quatrième information que n'a partagé avant jeudi, hein, information numéro 4 n'a pas monté, et c'est que Venezuela, OK, Venezuela en pile nous-mêmes haïtiens, en pile pays dans zone non, c'est nous-mêmes qui changer, c'est nous-mêmes qui aider. Ou bien des pays comme Venezuela, la Grèce, la Libye, la République Dominicaine, tout pays ça yo gain indépendance yo, et bien grâce à participation notable de Haïti. OK, tout ça que n'a regardé là qui est Miranda, et bien nous connaissons Miranda drapeau vénézuélien, hein? Monsieur c'est libérateur Venezuela, OK. Drapeau vénézuélien, hein? Les fêtes c'est dans ville Jacques Mel que drapeau ça les fêtes, OK. Donc drapeau vénézuélien les fêtes dans ville Jacques Mel, OK. C'est là n'a pas information ça, OK. Et là monsieur tape
pour le parti pour l'attaquer espagnol yo pour la essayer mettre espagnol yo dehors dans zone ça traité la Grande Colombie à l'époque il pas traité Venezuela seulement il traité la Grande Colombie et ben l'homme s'est parti Haïti et plus précisément Pétion t'a fait monsieur cadeau deux bateaux OK une traité de bi l'autre là elle est le Bacchus OK avec des hommes là-dedans yo avec des armes avec l'argent en fait Miranda prend trois défaites, ok? Et à chaque fois, monsieur vient réfugier en Haïti. Monsieur était gagné un Kai même. Il était Kai là jusqu'à présent. Kai Miranda à Jamel. Et était gagné époque même, il dit que après deuxième défaite, monsieur était venu en genre suicidaire. Monsieur tellement t'es voulu libérer Venezuela. Monsieur t'es fait. Pétion connaît que la tout était li et yo fait connaît que Pétion t'est voyé en sorte de commando même à chercher monsieur dans zone Trinidad on ça côté monsieur t'est réfugié parce qu'on est Trinidad pas loin Colombie pas loin Venezuela donc monsieur t'est réfugié Colombie Trinidad le ça et Pétion t'est voyé un petit bateau à chercher monsieur Trinidad vin mais monsieur Jamel remonter moral monsieur et ba monsieur deux bateaux ça qui était le de B avec de Bacchus et c'est avec deux bateaux ça que monsieur allait et dans troisième tentative là c'était bon tentative là monsieur vraiment conquérir zone ça que le grand colombien et puis monsieur libérer zone là. Mais c'est pas seulement Venezuela et c'est ça fort que Venezuela est en fait reconnaissant envers de Haïti comme ça et c'est ça fait que qu'on relation entre Venezuela et Haïti et c'est ça fait un pile monde estomaqué le que président nous gagne actuellement montrer que monsieur pas gagne aucun sens de l'histoire monsieur voté l'autre jour là contre Venezuela et vraiment c'est un acte que considéré comme un acte de trahison de haute trahison de la part de président haïtien c'est tout à cause de toute implication ça de Haïti dans lutte vénézuélienne dans indépendance Venezuela et c'est ça fait que le Jovenel Moïse t'a fait ça t'a fait tout tourner ça t'a connu mais c'est pas seulement Venezuela que Haïti t'a aidé. Soit aller sur Wikipédia ou mettre liste de guerre que Haïti impliqué là-dedans yo. OK? Ou après que Haïti impliqué dans la guerre révolution parlant effectivement résultat c'est que yo t'a expulsé français yo. OK? L'autre guerre des couteaux ça c'est tout simple ouverture puis qu'une expédition de Saint-Domingue contre que été fait contre la France, la Pologne et l'Espagne. OK. Yo été battre français yo, mais yo pas de guerre battre espagnol yo. Non, et ça fait que espagnol était toujours resté dans Saint-Domingue. Après ça en 1805, tu gagne expédition contre la France en Saint-Domingue. Donc ça c'est exactement qui on sent information que Dominicain toujours fait donc toujours peut dire en fait ça c'était français oh, qui était font siège OK et haïtien ont perdu bataille ça haïtien ont perdu bataille ça ils étaient obligés de retirer Santo Domingo mais après ça nous gagnons l'autre guerre par exemple nous voyons que gagne guerre Venezuela guerre d'indépendance Venezuela c'est de ça que nous t'as parlé tout à l'heure côté que Haïti t'es allié avec force vénézuélienne et puis force sur la Grande Colombie et puis ils battent l'Espagne et puis ils mènent à l'indépendance de zone ça que la Grande Colombie révolution grecque a
Haïti a participé avec 4 autres alliés dans la guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman, qui c'est l'Empire turc. Ok? Et donc, Haïtiens ont participé avec la Russie, avec les États, le Royaume-Uni et le Royaume de France, et aussi avec la Grèce, et puis ils ont été défaits. Donc, c'est une première coalition, en fait. C'est une première coalition, même j'aurais dit une coalition pour guerre du Golfe. Donc c'est la première coalition pour indépendance en pays. Et Haïti a participé là-dedans. Et c'est ça fait que Haïti, c'est une première, c'est une membre fondateur de l'ONU que vous voyez actuellement. Il est la Ligue des Nations à l'époque. Donc c'est à partir de coalition ça. Donc vous voyez que même dans l'indépendance grecque, Haïti t'es participé. Et puis bien sûr la guerre de l'indépendance dominicaine, ça c'est dominicain qui t'a combattu haïtien, mais avant que on arrive dans la guerre de l'indépendance dominicaine, non, information qui manquait là, c'est que Boyer t'es conquéri, t'es chassé force espagnole. Information ça a manqué là. Information ça a manqué. Donc ce gouvernement Boyer, c'est que Boyer lui-même il conquérit, il chassait espagnol de la République dominicaine, et il dominait la République dominicaine pendant 25 ans. Le Boyer allait en République dominicaine, c'est parce que c'est bourgeoisie dominicaine même qui demandait Boyer pour le venir. Et bourgeoisie dominicaine là, même il était besoin chasser et espagnol yo. Et ben grâce à Boyer, grâce à Haïti, c'est ça fort capable de dire que Saint-Domingue est indépendant de espagnol yo. OK, à part la suite, dominicain yo vinn retourner contre haïtien yo, yo chasser haïtien yo, mais avant ça une force espagnole, et c'est parce que c'est Haïti qui était occupé Saint-Domingue pendant 25 ans qui fait que espagnol yo pas intéressé retourner, pas intéressé impliquer non bataille avec haïtien yo. Donc information très importante, c'est que Haïti aidé en pile changer face destin face en pile moon. Et on l'autre information que nous parlons, ouais, ça c'est information numéro 3 que n'a monté. Information numéro 3, c'est que Haïti, OK, grâce à Haïti, OK, nous connaît que dernièrement, ça gagne 2 ans à peu près, Donald Trump qui était traité Haïti d'un shithole, OK. Et ça t'est fait en pile par en pile. Et il y a plusieurs articles qui t'est sorti, qui t'est montré, qui t'est dit que ben ça fait monsieur dit ça, c'est parce que monsieur pas contre l'histoire, justement monsieur pas contre de qui ça l'a parlé. Et information qui n'a pas au matin là, en pile moins qu'on information ça déjà de toute façon, mais sous regard des articles ça qui sorti sur The Nation, OK, qui sorti le 12 janvier 2018, époque que Toro ça que les Donald Trump quand t'es fait déclaration ça, et ben dit que sans Haïti, et ben les États-Unis en fait t'as penché de haut. Pour qui ça? C'est parce que avant que Haïti t'es entré dans la guerre d'indépendance contre les Français, yo, les États-Unis pas de gros comme ça. OK, les États-Unis étaient deux fois pipiti. Parce que toute zone ça, si on regarde les cartes là, toute zone, c'est comme si les États-Unis étaient divisés en deux. Toute zone côte est là. OK, que on prend tout état ça, New York, Philadelphie jusque en bas. OK, jusque dans zone Louisiane. OK, presque moitié pays hein, était appartenu à Français. Okay, c'est Français
qui t'a joint, qui t'a gagné pays. Ça, c'est comme si il était sorti dans une zone comme ça, ils font un gros cercle, un gros demi-cercle comme ça. Et ben zone ça qui t'appartenu à français, et ben haïtien était tellement à bail Napoléon problème. Et Napoléon était tellement besoin concentré et tellement perdu l'argent tout dans la guerre d'indépendance contre Haïti, hein, que Napoléon était venu trouver en manque de liquidité, il était venu besoin l'argent. OK, et c'est ça que fait, et c'est grâce à ça que président Jefferson monsieur joint en affaire en or. Et la France et puis Napoléon Bonaparte accepté vendre monsieur moitié États-Unis ouais actuellement, il a accepté vendre monsieur pour 250 millions de dollars. OK, il vend lui pour 250 millions de dollars, c'est 828 000 square miles. OK, il vend 250 millions de dollars qui c'est autorité représenté à peu près 3 cents par acre. OK, donc vraiment un gros deal, et deal ça il pas t'a jamais fait si Haïti pas t'a brasser bill français comme ça Saint-Domingue. OK, le deal ça fin fait, et bien Napoléon voyait toute force li, tout soldat qui était dans zone qui était aux États-Unis, li voyait tout à combattre et à combattre Dessalines. Malgré ça, malgré qu'il était voyait toute force à combattre Dessalines, nous constatons que passé c'est que dans bataille vertière Dessalines était réussi vaincre tout français, malgré que était concentré sur Haïti, parce que faut comprendre que Haïti à l'époque c'était que pays qui était plus riche dans Amérique là, c'est pays qui était qu'on a bail au café, qui était qu'on a bail au coton. Donc vraiment c'est son joyau que pas de blé perdu, donc était concentré sur Haïti. Et malgré ça était perdu, donc sans guerre d'indépendance Haïti, hein, les États-Unis que ouais actuellement là, ils tapent deux fois pipiti. OK, donc ça sont informations que tout haïtien qui vit aux États-Unis t'a supposé qu'on ait. Son information que t'a supposé qu'on ait, c'est que grâce à deal ça, OK, yo dou la sou gade la bien, Jefferson doublé size country avec seulement 3 cents per acte. Donc monsieur double size États-Unis grâce à la guerre qui était gagnée en Haïti, grâce à haïtien qui t'a brassé bill français t'a besoin l'argent, français t'a besoin concentrer toutes armes, toutes troupes sous Haïti pour pas de perdre Haïti. Mais malgré ça, malgré que t'es couru vendre parti ça de Amérique là, malgré ça yo t'es perdu quand même. Information numéro 2. OK, là tout à l'heure là nous se trouvait que Haïti t'est participé dans paquet de guerre. OK, mais gon guerre moi t'ai kembé en réserve. OK, haïtien nous-mêmes en Haïti, quand pile monde qui vit aux États-Unis, tout grand pile haïtien qui vit aux États-Unis, yo pas de connait que gagner des soldats haïtiens, OK, qui t'ai participé dans guerre de États-Unis. OK, plus particulièrement dans zone Louisiane, justement dans zone de Savannah. OK, dans zone Savannah en Georgia. OK, c'est pas en Louisiane, c'est en Georgia. Eh bien, les États-Unis ont même reconnu ça, et ils ont un monument que ils ont fait, pour honorer haïtien. Soit aller dans la ville Savannah dans Georgia, après monument ça, il indique clairement, il montre aux soldats haïtiens qui t'a combattu dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Et petit jeune homme ça ouais qui bat tambour là, pas d'argent quoi ça, petit jeune homme ça
Non, monsieur, c'est Henri Christophe. Ok, monsieur était tout jeune à l'époque. Ok, en 1779, monsieur était tout jeune à l'époque. Et presque 17 ans plus tard, presque 17 ans, 15 ans, 17 ans plus tard, vers 1806, monsieur était appelé roi Henri Christophe. Et monsieur était participé dans la guerre indépendance en tout, mais monsieur pas vraiment à combattre. Bon, monsieur était gagné âmes sous lui pour si vous avez joué, mais monsieur était battu tambour. Donc c'est monsieur qui a marqué le pas, marqué la cadence pour l'armée haïtienne. Donc, son, et en fait, monument ça, l'irélé, l'igon non, très spécial, l'igon non très spécial. En tout cas monument ça il est bel et bien présent dans la ville de Savannah. OK, et il même reconnaître que c'est grâce à soldats haïtiens dans le siège de Savannah en le 9 octobre 1779. C'est grâce à siège haïtien que t'es arrivé. En fait, c'est grâce à résistance haïtien yo, que t'es arrivé Kimbé ville. Monument il est les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, c'est ça. OK, c'est non ça me t'a cherché tout à l'heure. Monument il est les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, the presence of the chasseurs volontaires de Saint-Domingue. OK, donc haïtien yo participé dans la guerre d'indépendance. Et là il y a montré Henri Christophe, et puis il a montré importance guerre ça. Il y a plusieurs dans monde qui était participé dans la guerre d'indépendance américaine, ils ont vienne joindre expérience militaire à cause de participation Savannah, notamment Henri Christophe qui était jeune à l'époque. OK, et qui vienne on voit 14 ans plus tard, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs soldats haïtiens qui étaient participés dans la guerre à Savannah, après ça, ils ont combattu pour la guerre indépendance par eux, et grâce à l'influence militaire que ont rejoint dans le pays Savannah. Donc, ou même qui aux États-Unis, des fois content de plusieurs, on a dit que nous-mêmes haïtiens, nous c'est risqué. OK, non, on ne pas risquer, parce que non seulement nous sommes peuple qui font pile bagaille dans zone là, qui aide en pile monde, et nous participer dans guerre d'indépendance des États-Unis. Ça veut dire que 100 haïtiens qui coulaient dans guerre de l'indépendance aux États-Unis. Donc par exemple, pas faire comparaison présent, mais par exemple qu'on doit dominicain qui doit gado là, ou bien mexicain qui doit gado, par exemple on prend les dominicain, surtout dominicain qui doit gado là, il doit penser que ou bien des fois qu'on a dit que bon mon ça haïtien, mon ça pas une place, non pas comme ça. Au contraire, si tu as pour mettre haïtien ou bien dominicain dehors, c'est dominicain pour mettre dehors, parce que c'est dominicain qui t'a pris hier, c'est l'autre nation qui t'a pris hier, mais c'est pas haïtien. OK, haïtien gen place yo là, yo travail pour ça, yo gen monument pour ça. OK, yo gen monument dans ville Savannah. Donc au moins une fois si nous gen temps à visiter monument ça. OK, li dans Franklin Square dans Savannah dans Georgia. OK, son monument, et ou après l'a songé l'a visiter monument ça, ou a songé petit bonhomme ça qui bat tambour. Hein? OK, c'est petit bonhomme ça c'est Henri Christophe. Bon, mon montre les bien. OK, petit bonhomme qui bat tambour Savannah, c'est Henri Christophe. OK, petit bonhomme ça qui bat tambour là, c'est Henri Christophe. Même il montre monsieur encore Henri Christophe. Donc tout côté il y a pas passé, il y a montré monsieur bien là, c'est Henri Christophe. Monsieur était dans monument ça, et monsieur après ça monsieur bâti gros empire ça, mais monument donc dans Franklin Square dans Savannah dans Georgia. Donc côté au marqué tout ça que haïtien était fait
OK. Donc son monument que moi c'est tout haïtien t'as supposé visiter, ou t'as supposé mettre dans l'histoire, t'as supposé montrer petit ou monument ça que yo érigé en l'honneur de Haïti. Dernière information numéro 1 à tout seigneur, tout honneur, j'en ai toujours à dire là, le mot de la fin, maman Pemba. OK, donc nous sommes à parler tout à l'heure de question de risque qui est aux États-Unis, de place aux États-Unis, de qui ça haïtien a fait aux États-Unis, de implication haïtien dans l'histoire des États-Unis. Nous sommes nous un monument aux États-Unis, dans la ville de Savannah. Mais est-ce que nous connaissons que une plus grosse ville aux États-Unis, qui c'est ville Chicago? OK? Est-ce que nous connaissons que ville ça sont haïtiens qui t'ont fondé ville ça? En pile monde pas connaît information ça. Tout ça n'a pas gardé là, monsieur relé Jean-Baptiste Pointe du Sable. OK? Jean-Baptiste Pointe du Sable, OK? C'est monsieur qui fondé ville Chicago. OK? Jean-Baptiste Pointe du Sable n'a pas gardé monsieur là. OK, monsieur mouri à Saint-Charles en Missouri. OK. Nationalité monsieur, yo remarqué là en note, traditionally stated to be Haitian from the colony. En fait, monsieur sorti Saint-Marc. OK. Donc Pointe du Sable sorti Saint-Marc. Et c'est monsieur qui fondé ville, OK, ville Chicago. Ça veut dire que son zone, mais il y a moto Kai monsieur. Monsieur sont en sorte de marchand que monsieur était un trader. OK, monsieur t'est marié avec le monsieur vivait dans zone là, monsieur t'a cherché la vie, j'en ai dit là. Et puis le monsieur vivait dans zone là, monsieur ouais en belle indienne, OK, qui était petite, en fait indienne, ça c'était petite chef clan. Donc monsieur marié avec Damza et monsieur fondé ville, c'est parce que monsieur était décidé de rester là. Monsieur fondé ville Chicago, monsieur était des hommes dans Chicago et monsieur fondé ville là, OK, carrément. Donc monsieur gagné musil, OK. Et monsieur gagne monument tout. Monsieur gagne monument dans ville Chicago. OK. Monsieur gagne monument dans ville Chicago. Va me chercher monument pour vous. Jean-Baptiste Pointe du Sable. Jean-Baptiste Pointe du Sable Chicago. OK, donc nous connaissons un monument dans ville Chicago, mais monument là. OK, donc ça c'est dans ville Chicago. Après que monument ça là m'a agrandi pour nous voir, Jean-Baptiste Pointe du Sable, founder of Chicago. OK, ça c'est rivière de Chicago qui derrière là. Donc bon tout à l'heure pas du côté sorti, mais là si vous regardez bien web ça monument marqué African Caribbean born in Saint Marc Haiti. OK, African Caribbean born in Saint Marc Haiti. Bon, là où elle plus OK, African Caribbean born in Saint Marc Haiti. OK, Africain Caraïbien, monsieur fait Saint Marc, son ex Saint Marc qui fondé la ville Chicago. Son information, OK,
que en pile moun pa konnen, et c'est ça qui conclut ti vidéo sa m'te pote pou nou. C'est 5 informations moi pense que tout haïtien ta supposé bay petit yo surtout ça ka vive aux États-Unis yo, surtout ça ka vive à l'étranger yo, pour éveiller, pour rembourrer fierté haïtien. Donc songez bien, même haïtien, nous c'est un grand peuple, nous pas n'importe qui, nous pas petit mi sans gâteau. Les n'a marcher la tête haute. Nous quittons nous là, n'a pour répondre l'autre vidéo.